z Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce grand entretien avec Nina Bouraoui. Bonjour Nina, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette rencontre intitulée Écrire la perte, dire la vie à l'occasion d'une double publication chez la thèse Grand Seigneur, un récit personnel très universel mais aussi très personnel d'une grande ampleur littéraire dans lequel vous accompagnez les derniers jours de votre père admis en soins palliatif à la maison médicale Jeanne Garnier en mai 2022. Vous racontez les mystères de cet homme hautement romanesque, ce que vous savez de lui et surtout la façon dont vous l'avez regardé, admiré depuis toute petite jusqu'à ces derniers jours et la façon dont il vous a construite. Euh, en parallèle de ce livre, très très important pour vous, vous publiez aussi Le désir d'un roman sans fin, euh, qui est assez complémentaire. C'est vraiment très intéressant de les lire euh, en miroir. Il s'agit de chroniques sur le monde contemporain, euh, parues dans la presse ou dans euh, vos carnets ici et ailleurs entre 1999 et 2022. Euh, et on est là aujourd'hui pour parler de votre rapport à l'écriture depuis l'enfance et de votre rapport au réel qui est la thématique du festival Effraction et qui sont deux questions absolument centrales dans votre œuvre et dans cette double actualité. Vous écrivez depuis l'enfance, avant même de savoir écrire, dites-vous dans, euh, dans Grand Seigneur. Vous avez publié votre premier livre, euh, La Voyeuse Interdite, en 1991, euh, qui a marqué un très grand nombre d'entre nous, je pense que je peux le dire, qui a reçu le prix du livre Inter. Vous avez publié 20 livres. Je vois que c'est le 19e et 20e livre qu que vous publiez aujourd'hui. Donc, euh, joyeux anniversaire. Si. C'est quand même un, un bel âge. Souvent écrit à la première personne, et dans lesquelles le, la vie et la fiction se, se mélangent, se nourrissent mutuellement, perpétuellement. Euh, la, la fiction nourrit l'autobiographie, je pense, comme l'autobiographie nourrit la fiction. Vous avez écrit des chroniques, on le disait, des chansons, et toujours portées par un feu, euh, un élan vital que vous traduisez par cette phrase euh, que j'ai relevée dans Grand Seigneur. Écrire est un acte, le livre est le résultat d'une liaison, d'un désir, d'un rapport, il s'agit de sexualité. Je trouve cette phrase très éloquente pour. pour dans un recueil de textes, voilà. pas dans Grand Seigneur. Oui, ah, c'est dans raison. Le désir d'un roman oui. Enfin, pardon. C'est vrai que les deux, euh, comme j'ai lu les deux Mais en les parallèle. c'est un arrivée. peu si à moi, ce mélange, et tant mieux. Absolument, on va parler des liens entre les deux. Je dis quelques mots pour présenter le cadre de cette rencontre. Je m'appelle Lorraine Malka, j'ai le plaisir d'animer le podcast Assez parlé pour l'école Les Mots. C'est un podcast dans lequel je demande aux écrivains et écrivaines de se raconter et de raconter le, leur rapport à l'écriture, la façon dont cela a évolué dans leur vie depuis l'enfance. Et cette année, on a donc la chance pour la deuxième fois d'être invité à enregistrer ce podcast dans le cadre du festival fractions Avec vous, Nina Bouraoui, on va passer une heure ensemble. La majeure partie sera consacrée à l'interview qui donnera lieu aussi au podcast Assez parlé. Mais si vous avez des questions, notez-les bien et on, je, on, on vous fera passer un micro dans les 15 dernières, 15, 20 dernières minutes de la rencontre. Nina Bouraoui, on, on le disait, ces deux livres sont si à moi et lire ces deux livres en parallèle permet d'avoir une perspective assez large sur la place de l'écriture dans votre vie, et donc qui est toujours cet acte de désir, cet élan vital. Tendu vers l'autre, et plus particulièrement, je crois, vers votre père, qui a vraiment une place centrale dans l'écriture, semble-t-il. Est-ce que vous portez ce livre, Grand Seigneur, depuis toujours euh, J'espère pas, parce que ça voudrait dire que j'ai pensé à la mort de mon père depuis mon enfance. Et en fait, c'est exactement la réponse à un. Ce, ce livre est la réponse inverse à la mort. En fait, euh, ni moi, ni mon père, ni, na, ni ma famille n'avons, euh, je crois, accepté, envisagé la mort de mon père. Moi, je me souviens quand j'étais très petite, euh, j'allais le voir, je disais, mais c'est horrible, la mort, le néant, le vide. Il me disait, ah, mais t'es trop jeune, ce sera dans très, 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 très longtemps. Et ce très, 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 très longtemps est arrivé. Mais en revanche, je pense que. Tous les écrivains euh, portent en eux l'idée qu'un jour ils vont écrire euh, sur la mort de leurs proches. Euh, C'est vrai que moi, j'étais pas du tout en train de, euh, j'étais en train d'écrire un tout autre sujet, justement sur la féminité, sur les femmes. Et quand mon père est retombé malade et quand je me suis aperçue que là, c'était encore plus grave que d'habitude. Euh, au début, j'ai cru à une sorte d'écriture vaudou qui allait raconter peut-être sa maladie et ça, tout d'un coup, un miracle et qu'il allait en sortir. J'étais sûre que l'écriture allait le guérir et puis cette écriture s'est arrêtée. Et en fait, quand il est rentré en soins palliatifs, j'ai tout arrêté, notamment même mon journal intime. Parce que dans l'écriture, vous l'avez très bien dit, il y a cette dimension du désir et de la sensualité, de la force, mais en fait, qui sont que des forces de vie et quand mon père est rentré à Jeanne Garnier, j'étais cernée que par des forces que par des forces de mort. Mais si j'ai écrit ce livre, c'était c'est pas un document, c'est pas un témoignage, c'est peut-être certainement comme euh, ça a peut-être un rapport, une correspondance avec le journal d'Annie euh, Ernaud euh, au sujet de sa maman qui avait Alzheimer, qu'elle allait voir, qui s'appelle « Je ne suis pas euh, sortie de ma nuit » ou « Je ne suis pas encore sortie de ma nuit ». Peut-être que j'écorche le, le titre, pardon. Où elle dit justement, ce n'est pas la narration d'un soin palliatif ou de la clinique ou des... Pas du tout. C'est le résidu d'une douleur. Et je crois que c'est vraiment ça. Grand Seigneur, euh, j'étais prise dans le tourbillon euh, étrange... Euh, que la mort nous impose en fait. Euh, la mort va bouleverser une temporalité, euh, celle du mourant, celle de ceux qui l'accompagnent, et puis euh, ceux qui nous entourent aussi, même l'intemporalité de la ville de Paris. C'est-à-dire que quand je sortais de ce lieu où j'ai passé tant d'heures, parfois 8 heures ou 9 heures, Paris semblait se refermer sur moi. Il fallait que je marche beaucoup. Jeanne Garnier se trouve avenue Émile Zola dans le 15e, je vis dans le 3e, donc je faisais tout ça à pied et, et tout d'un coup, toute ma jeunesse est revenue pendant ces longues marches et j'avais deux piliers qui étaient euh, l'amitié et l'amour, mais même l'amitié et l'amour étaient non pas remises en question, mais tout d'un coup, tout, est, tout était bizarre et, et la réponse à cela, à cette étrangeté, à cette bizarrerie, c'était d'écrire pour rendre réelle cette agonie et raconter aussi, euh, j'ai peut-être eu rendez-vous avec la mort, mais j'ai eu surtout rendez-vous avec la vie, parce qu'il s'est produit au sein de cette maison des choses assez merveilleuses. On va en parler. Vous dites plusieurs fois dans, dans, dans Grand Seigneur que... Accompagner les derniers jours d'un père, c'est la plus grande aventure qu'on qu puisse vivre. Alors ça paraît assez étrange comme, comme formulation au départ. Et vous dites aussi que c'est une expérience qu'on ne peut comprendre ou ressentir qu'en l'ayant vécue. On ne peut pas vraiment l'anticiper. Et pourtant, vous l'avez imaginé plusieurs fois dans votre, pendant que votre père était vivant. Vous avez imaginé sa mort plusieurs fois. Et c'est vrai qu'en tant Quand on lit votre livre, on a l'impression de... Toutes et tous, même sans l'avoir encore vécu, se préparer à ce moment-là d'une vie qui est un moment évidemment essentiel, très important et qu'on redoute. Est-ce que c'est pour ça que je vous demandais si c'était pas comprends. le livre que vous portiez depuis toujours Ou peut-être que je redoutais. Euh, je crois que la mort des siens, la mort de ceux qu'on aime, parfois surgit comme une idée opportuniste, euh, mais la vie est toujours gagnante. Euh, on la chasse, on ne pourrait pas vivre tous les jours en pensant euh, même à notre propre mort. Ce n'est pas possible. Et c'est vrai que d'accompagner un mourant, et en plus quand c'est son père, euh, c'est une grande aventure, euh, dans le sens où on ne sait pas où elle vous mène, on ne sait pas ce qu'elle va transformer en vous, on ne sait pas ce qu'elle va transformer aussi... Euh, dans votre entourage. Euh, on ne sait pas ce qu'elle va transformer dans l'amour, dans le désir. On ne sait pas si on peut encore aimer après la mort. On ne sait pas si on a le droit de désirer. Euh, pendant qu'on accompagne un mourant, il y a quelque chose. Euh, la mort vous donne euh, beaucoup de leçons de vie, je trouve. Alors il ne faut pas y répondre, il ne faut pas s'y soumettre. Euh, il faut être peut-être plus grand et encore plus vaillant qu'elle. Mais les mourants nous donnent, eux, une autre leçon. C'est celle du courage. Et de la dignité. Moi, j'ai vu mon père se battre jusqu'à la fin. C'est vrai que je le dis souvent, j'en ai fait que lui mentir. Parce que mon père avait ce don de joie, ce don de vie dont j'ai hérité, certainement, qui est aussi un peu. Un don un peu de l'innocence et une façon un peu immature d'occuper euh, euh, le réel et une façon de le fuir aussi. Mais c'est vrai que je disais qu'il allait reprendre les forces et puis qu'il allait se lever et repartir chez lui. Mais je crois que je l'ai cru jusqu'à la fin euh, parce qu'il arrive des miracles à Jeanne Garnier ils sont très rares. Euh, mais je me suis renseignée et je sais que parfois on peut quitter des soins palliatifs et, et rentrer chez soi c'est très très rare. Alors moi je priais dans ce sens. Ce n'est pas arrivé, mais il est arrivé des, une multitude de choses étranges. Euh, mon père avait un livre fétiche qui s'appelle Les nourritures terrestres. Et un jour, euh, quand je me suis retrouvée seule avec lui, parce qu'il y avait ça aussi, une famille orientale, donc on était un peu agglutinés tous ma soeur, ses enfants, ma mère autour de cet homme. Et euh voilà, peut-être parfois on peut-être qu'on le dérangeait, je ne sais pas. Mais on voulait jamais le laisser seul. Et un jour, par miracle, je me suis retrouvée seule avec lui et j'ai commencé à lui réciter, enfin lire ce passage. Il y a un passage où, des, où il y a des oiseaux. Tous les oiseaux de Jeanne Garnier se sont mis à chanter. C'était très très étrange, c'était très bizarre. Et mon père ne, ne, ne parlait plus. Mais quand ma mère est arrivée, j'ai cessé ma lecture, j'ai caché mon livre euh, et il a dit euh, :« Où est ?» Mon bouquin, mais il disait jamais bouquin, mon père faisait le livre. Oui mon bouquin, oui mon. Bouquin. Ma mère a dit ah non mais peut-être il s'agit de ton bonnet parce que mon père a toujours froid à la tête. Et et puis il y a eu plein de petits détails comme ça et surtout c'était la tendresse, c'est-à-dire que lorsque je dis que j'ai rencontré la vie, il faut quand même honorer, même si ce n'est pas un roman, c'est un récit, ce n'est pas un témoignage, mais c'est aussi un hommage rendu à tous ces saints qui travaillent au sein de Jeanne Garnier qui sont, eux, en permanence avec la mort et qui n'ont pas la distance, euh, je trouve, alors ils ont une autre distance certainement, j'espère pour eux, mais qui peut exister dans un, un, un hôpital dit normal. Que ce sont des gens très tendres, très à l'écoute, mais à l'écoute aussi euh, du malade, mais aussi de ceux qui les accompagnent. Donc moi, c'est vrai que souvent, j'étais dans les bras d'inconnus, mais cette tendresse me, ne me choquait pas. Je la trouvais euh, tout d'un coup, euh, l'humanité avait sa place. Euh, parce que nous étions au cœur de la mort, ce qui est d'ailleurs dommage que l'humanité ressurgisse uniquement dans la grande violence de la vie. Et je me suis beaucoup promenée dans cet endroit. Euh, il y a une bibliothèque, il y a une chapelle, euh, il y avait une famille à côté de nous, eux aussi très nombreux, parce qu'ils étaient eux asiatiques, la famille de Georges, euh, qui accompagnait sa petite sœur, assez malade, très malade. Et on a dit, euh, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose euh, euh, d'étrange, puisque mon, quand mon père est mort, sa sœur est morte euh, quelques heures après. Euh, on s'est retrouvés, Georges, après, euh, dans la rue, avenue Émile Zola, et c'était comme un passage, il n'y a eu que des passages. Alors, euh, moi, je crois aux fantômes, même s'ils n'existent pas. Je crois en autre chose, même si ça n'existe pas, parce que je trouve que, certainement, ça nous aide, mais aussi... Euh, ça construit nos vies et ça dit le secret aussi des écrivains. Je crois que les écrivains ont peut-être cette faculté, pas de médium, pas de clairvoyance, mais en tous les cas de raconter la vie, soit avec un temps d'avance, soit avec un temps de retard, mais en tous les cas de biais. Paris-Ricochet. Euh, D'écrire sur mon père, c'était pas écrire uniquement sur mon père, c'était écrire sur tous les pères. D'écrire sur la mort, c'était écrire sur toutes les morts. C'est-à-dire que ce récit, euh, je le veux le plus universel qu'il soit. Je crois qu'il l'est parce que je voyage beaucoup avec lui et je rencontre beaucoup de fils, de filles et de pères euh, qui me disent merci parce que ce sont les mots euh, qu'on aurait voulu avoir. Euh, et qui sont maintenant consignés dans un livre. Peut-être que ça sert à ça la littérature aussi. Vous le disiez, écrire c'est donc avoir un temps d'avance ou un temps de retard, mais c'est aussi écrire sur le moment, pendant que la vie se déroule. Euh, vous parliez des mensonges que vous faisiez à votre père dans cette chambre et que vous, faisiez, vous vous faisiez à vous-même aussi dans cette chambre d'hôpital. Euh, je vous cite quand mon père me demande combien de temps il devra rester ici, je lui promets qu'il partira dès ses forces se retrouvées. Je le trompe et je me trompe. Sa chambre devient la chambre de, de mon enfance, avec ses illusions, ses fantaisies. Ce mensonge, est-ce que c'est déjà le, le premier pas vers, vers la littérature, mais pendant que la vie se déroule Oui, moi j'ai grandi dans le secret. Euh, le mensonge, je ne sais pas, mais en tous les cas, peut-être mensonge par omission. Euh, c'est vrai que mon père a occupé des, ce qu'on appelle. Les, euh, il était haut fonctionnaire, il voyageait beaucoup. Quand il partait, il nommait ses voyages les missions. Il pouvait partir un mois, revenir 15 jours, repartir un mois. On ne connaissait pas toujours le nom de son hôtel. Il partait en Asie, il partait en Afrique. Il a beaucoup travaillé pour le FMI aussi, il représentait son pays là-bas. Et mon père écrivait beaucoup ses discours, les discours des autres. Et j'ai grandi dans, certainement, euh, avec ma mère en plus, qui adorait la littérature et qui était entourée de livres, j'ai grandi parce qu'aussi c'était Alger et qu'il fallait se s'inventer un refuge, s'inventer un abri. C'était une ville qui était assez dangereuse, notamment pour les enfants. Et c'est vrai que j'ai grandit dans une sorte de grande illusion, mais euh, à double tranchant. Et je pense que c'est aussi la vie d'un écrivain. C'est-à-dire qu'un écrivain, il est totalement quand même assez en dehors de la société, dans son mode de vie, dans ses horaires, dans ses projets, dans sa façon même d'être. Je trouve que les écrivains sont des êtres étranges et par, parfois peu, peu, peu fréquentables parce que ce sont quand même des voleurs d'histoire. Euh, et à la fois, ils sont totalement dans le monde parce qu'ils ont pour mission de le regarder, de le restituer, de l'exprimer, de l'expliquer non parce que je trouve que c'est compliqué de donner une réponse et puis les écrivains ne sont pas des dieux, pas du tout. Mais en tous les cas, euh, ils ont pour mission d'absorber les variations, les tremblements, les effrois et les beautés du monde. En tous les cas, moi, je conçois euh, mon travail ainsi. Et c'est vrai qu'en fait, cette, euh, ce terreau, euh, il a été celui de mon enfance. Euh, c'est vrai que dans cet appartement, sur les hauteurs d'Alger, avec cette baie d'Alger au loin, l'histoire de ma famille, euh, mon père, qui perd son frère aîné à la guerre, qui est comme, pas exfiltré, mais quand même, qui quitte l'Algérie en pleine guerre d'Algérie, qui arrive à Vannes. Qui passe son bac, qui arrive à Rennes, qui rencontre ma mère, une Française, ma mère française qui est une des rares Françaises à faire le voyage de France en Algérie, alors que les Français quittent l'Algérie. Tout ça est terriblement romanesque et un peu étrange. Donc euh, je crois que j'ai été élevée dans cette. Euh, en fait, on racontait déjà des histoires autour de moi. Mais tant mieux euh, C'était fascinant, euh, mais le terreau était là. J'ai grandi. Euh, sur cette terre-là, mais cette terre aussi d'idées, de langage, de mots. C'est vrai que mon père, je le surprenais en train d'écrire la nuit. Je l'appelle dans le livre d'ailleurs le, le, le fakir qui écrit. Et pour l'imiter, j'ai voulu aussi écrire pour lui ressembler. Et il semble que vous avez voulu aussi écrire un livre qui lui ressemble, qui, soit, qui porte cette, cette. On parlait d'élan de vie, de désir, et qui porte aussi cette joie, en fait, qu'il vous a transmise. C'est vraiment un, un don de la vie qu'il vous a transmis. Vous dites que votre sœur ne l'a pas reçu exactement de la même manière, mais que. De façon moins permanente, je pense. C'est-à-dire qu'il y a plus de variations euh, du côté de ma mère et ma sœur, où je me trompe. Euh, peut-être qu'elle ne serait pas d'accord. Hein. Mais je pense que... Alors, est-ce que parce que j'avais euh, j'ai capté sa virilité, est-ce que c'est peut-être une qualité virile Ou peut-être un défaut, j'en sais rien, hein, de rire de tout et de plaisanter de tout, même lorsqu'on est dans une situation tragique. Mais en tous les cas, le rire, l'humour, ce don de joie est une grande politesse. Parce que lorsqu'on a traversé ce que l'on a traversé avec ma famille et... Comme tant de familles, puisque c'est l'aventure la plus commune à tous les êtres humains, on sait combien euh, cette vie est unique, merveilleuse, fragile, et que se plaindre d'être en vie, et euh, parfois, ou se plaindre, c'est la plainte, c'est facile hein, de se plaindre tout le temps. Moi aussi, je me plains, je ne suis pas au-dessus de ça, mais euh, j'ai quand même mal idée qu'il vaut mieux rire de tout euh, plutôt que de pleurer pour un rien. Je crois que c'est une chanson de Gainsbourg, d'ailleurs, ça. <laughs> euh, vous le disiez, vous vous êtes mise à écrire au départ pour lui ressembler, pour marcher dans ses pas, écrivez-vous. Euh, et vous écrivez, l'écriture au début m'est apparue comme une pratique masculine, un lieu de force, de tension, de combat. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer cela Parce que c'est. On, 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 on aimerait peut-être. Je ne sais pas si vous pouvez le comprendre vous-même, mais en tout cas, c'est quelque chose qui revient assez souvent, cet aspect viril de l'écriture. Mmh, mais c'est en plus une. Vous avez raison. Et en plus, c'est une réflexion terriblement misogyne. Euh, mais vraiment. Et j'ai et un peu honte. Euh, alors, je ne le pense plus, mais je l'ai pensé longtemps. Parce que je crois qu'il y a eu, chez moi, il y a eu une espèce de trouble de l'identité, euh, mais qui n'était pas, euh, euh, pas forcément physique ou hormonale, ce n'est pas quelque chose qui m'échappait, il y avait aussi quelque chose de construit. Parce que très tôt, euh, moi j'ai une très, très très grande intuition. J'écoute mon intuition pour beaucoup de choses et pour l'instant, elle ne m'a pas euh, souvent trahi ni trompé. Je pense que cette intuition, je l'avais déjà enfant. Et en Algérie, à Alger, euh, dans les années 70, j'ai eu l'intuition que la force était du côté des hommes et pas des femmes. Alors, euh, c'est facile de le dire quand on est adulte, mais quand on a 4 ans, peut-être ce n'est pas une évidence. Et très vite, je me suis travestie. Euh, très vite, j'ai changé de prénom. Très vite, euh, j'ai voulu m'habiller en garçon. Très vite, je voulais avoir les cheveux courts. Et très vite, euh, je voulais avoir un métier qui ressemblait euh, ou s'y puisait la force des hommes. Et il se trouve que dans les années 70, il y avait des images masculines très fortes, McQueen, Robert Redford, Dustin Hoffman, dans Les Hommes du Président, Le Vol du Condor, euh, des hommes un peu étranges, soit journalistes, soit espions, soit agents secrets, mais finalement, des hommes qui ressemblaient beaucoup à mon père, qui portaient des trenchs, qui fumaient, qui avaient des lunettes fumées, qui étaient toujours pressés toujours entre deux avions, euh, toujours en train d'écrire. Et donc, je trouvais ça fascinant euh, pour moi, je ne voyais pas d'image féminine ainsi. Euh, pourtant, ma mère travaillait, mais ma mère lisait. Je trouvais la lecture euh, était une position plus soumise, plus douce, plus. Je me disais, il faut être dans le texte, il faut créer le texte, c'est ça la création, euh, la force et le désir. Euh, alors, je me trompais totalement parce que, en assumant ma féminité très vite hein, dès adolescente, euh, je me suis aperçue que déjà, il n'y avait ni virilité ni féminité. Euh, à écrire enfin en tous les cas euh, je, enfin l'écriture euh, et on connaît la force de l'écriture des femmes euh, et de plus en plus en plus puisque cette euh, les femmes écrivent je trouve euh, enfin elles ont toujours écrit mais aujourd'hui elles, elles sont de plus en plus euh, partie prenante euh, euh, et mais il est long le chemin moi qui ai publié en 91 euh, aujourd'hui les femmes euh, sont sont davantage lues et prises au sérieux. Parce que même dans les années, euh, début des années 90, une femme qui écrivait, moi on me lançait toujours Ah, tu es jeune, tu as 24 ans ou tu es jolie. C'était ça. Euh, il a fallu euh, s'arracher ce truc de. Alors aujourd'hui j'ai 56 ans, euh, je deviens un peu plus respectable peut-être, mais il a fallu s'arracher ce truc de, de jeune et jolie et de l'arracher de, de son livre et de se dire non, j'ai une parole à dire et, et peut-être que ma parole compte et que. Cette parole, elle est aussi euh, animée euh, euh, d'une mission de défendre les plus fragiles, de défendre les invisibles, de raconter, euh, euh, raconter l'adolescence homosexuelle. Ça, ça a été euh, euh, de nombreux livres se, se, se sont penchés. Alors, ce n'était pas uniquement pour raconter mon adolescence qui a été souvent cruelle, parce que, parce que je ne tombais pas amoureuse et bonne personne, et surtout, je sentais que ma différence euh, serait difficile pour moi, pour trouver ma place dans la société. Et c'est là où l'écriture aussi est intervenue. L'écriture a été une façon euh, de trouver cette place et aussi d'effacer de, mon homosexualité. Euh, là aussi, c'est une posture très difficile et, et cruelle, mais comme tous les jeunes homosexuels, j'ai traversé euh, ces, ces longues années du dégoût de soi, de la honte de soi, de sa propre homophobie, parce qu'en fait, la société vous renvoie un regard tellement euh, sale tellement abjecte et vous fait tellement bien comprendre que vous n'êtes pas normal que vous n'êtes pas comme les autres c'est très facile de' la prendre cette haine contre soi donc l'écriture a été une réparation même si je dis toujours l'écriture ne sauve de rien pas dans les livres enfin pas dans l'acte d'écrire mais peut-être dans les sujets c'est à dire que de parler des adolescents ou prises avec cette différence et cette souffrance, et de les rencontrer après, dans les festivals, dans les librairies, de lire leur courriers. Tout d'un coup, euh, j'ai pu réparer par eux, euh, de savoir que j'étais entrée dans l'obscurité euh, de leur solitude, j'ai réparé euh, ma propre souffrance avec la leur. Il y a quelque chose qui vraiment traverse, je crois, votre œuvre, c'est cette quête de soi et cette réinvention de soi. Euh, vous en parlez par rapport à, au, au genre, mais en fait, c'est aussi par rapport à l'exil, à l'identité. Euh, si on revient vraiment à la petite enfance puisque vous avez commencé peut-être cette quête de vous-même dès la toute petite enfance avec cette idée d'être une garçonne d'être je crois prénommé comme un garçon enfin élevé en tout cas comme un garçon par votre père est-ce que déjà le fait que vous ayez commencé à dessiner et à écrire très très tôt c'était déjà cette, cette quête de soi ce, ce besoin de vous isoler en vous-même pour, pour vous réinventer Peut-être. Je crois que hmm, je me sentais marginale, donc autant euh, occuper cette euh, margin marginalité, pardon. Euh avec la création. Et puis j'ai grandi dans les années 70, n'oublions pas. Alors c'est vrai que oui, mon père m'a élevé euh, comme un garçon, mais il essayait avec ma sœur aussi. Ça a moins pris, ma sœur était plus euh, féminine, mais lui, c'était un féministe, un homme moderne, euh, un musulman euh, extrêmement modéré et poète, euh, et qui aimait le, le vin, les femmes, la beauté, l'art, et qui priait. Euh, à la fin de sa vie surtout, et souvent en secret, parce que pour lui, la religion ne se montrait pas, c'était une affaire personnelle, euh, et elle ne devait être que source d'amour et, et jamais source de haine. J'aimais beaucoup ça. Euh, chez mon père. Et c'est vrai que ces années 70 permettaient un peu tout, quand même. Euh, mes parents, alors c'est vrai que quand mon père entrait de mission, il y avait une autorité comme ça assez, assez forte et parfois un peu brutale. Il y avait ce que je nomme un peu un amour en désordre, c'est-à-dire beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et tout d'un coup des colères folles où ils pouvaient faire très peur. Et ma mère, c'était la grande douceur, beaucoup de. Quand je dis du laxisme, ce n'est pas du tout péjoratif, bien au contraire, nous étions très libres. Et la liberté a donné accès à la création. Euh, la liberté a donné accès euh, à la possibilité, en effet, de dessiner, de peindre, de devenir un jour un écrivain. J'étais entourée de livres. Et surtout, l'Algérie m'a donné un œil esthétique euh, à tout jamais. C'est-à-dire que cette Algérie de traversée de son désert du hogar du tassili de, de ses montagnes de sa campagne euh, de toutes ces plages où l'humain n'a jamais rien désordonné c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune intervention de l'humain ou très peu et en tous les cas quand elles ont eu lieu c'était du temps des français je parle juste pour le tourisme et je pense à cet hôtel à Timimoun magnifique de Fernand Pouillon, où au centre d'une palmeraie, il avait construit un hôtel avec une piscine qui débordait, à débordement, ce qui est assez incroyable dans, dans un désert. Mais ça a formé mon œil à la poésie, vraiment, à l'importance de la nature. Et aussi, ça m'a appris à comment. Dans un récit, dans un roman, ou dans une chanson, ou dans un poème, ou dans des comptines, même pour enfants, quand même toujours, euh, comment euh, inviter la beauté de la nature, inviter. Euh, euh, oui, c'est la beauté du ciel. J'ai euh, eu, je pense, des chocs esthétiques très, très forts, à répétition, en Algérie, parce que cette beauté était partout, hors de la ville. Je n'aimais pas trop Alger, je trouvais que c'était une ville bruyante, pas très propre, je l'ai dit, parfois dangereuse, trop masculine pour moi avec en plus euh, des jeunes qui s'ennuyaient beaucoup, qui souffraient, je la sentais beaucoup, cette souffrance. Mais dès qu'on quittait Alger, tout d'un coup, il y avait l'émerveillement de, de cette nature qui a fait de moi quelqu'un de très euh, poreux euh, aux forces et aux beautés de la nature, euh, aux, aux roches, à la mer, euh, au vent. Euh. Et tout ça, j'essaye je, de le consigner à chaque fois, quoi qu'il arrive, peu importe le sujet, mais la nature est toujours très présente dans mes livres. Euh, pour revenir sur votre enfance en Algérie, donc vous êtes arrivé en Algérie à, à deux mois, euh, vous y êtes resté jusqu'à vos 14 ans, et vous dites que votre père était euh, absent, et en même temps, il semble qu'il soit très présent finalement dans votre rapport à la création dès le début. Est-ce que c'était peut-être aussi pour lui, pour lui plaire, pour dialoguer avec lui, que vous dessiniez, que vous écriviez Oui, peut-être, mais après, c'est aussi quand même l'œuvre et l'ouvrage de mes deux parents. Euh, pour qui, quand même, euh, l'expression de soi euh, était extrêmement importante, parce que peut-être eux avaient été muselés dans leur enfance, dans leur adolescence. Mon père est né en 35, ma mère est née en 39. Ce sont des enfants qui ont connu la guerre, quand même. Un peu la Seconde Guerre mondiale et puis mon père cette guerre épouvantable des deux côtés, hein, euh, la guerre d'Algérie qui a duré longtemps, il a perdu beaucoup de cousins, il a perdu son frère, euh, porté disparu en plus, on avait quelque chose. De, il a grandi quand même sur une terre de sang et je crois que non, mes deux parents, euh, mes deux parents nous donnaient accès à à ça et Peut-être aussi, n'oublions pas qu'en Algérie, il y avait. Euh, alors, on a eu la télévision assez tard, mais en Algérie, il y avait une chaîne de télévision, la RTA, qui diffusait soit des programmes euh, religieux. Donc, toute la journée, il y avait une espèce de page Coran, et puis on voyait une main qui tournait qui tourne les pages, c'est très très drôle. Et le soir, des, des longs discours politiques. C'était une Algérie quand même, sous Boumedienne, après Chali, mais Boumedienne, il ne fallait surtout pas parler du gouvernement. Fallait... Donc on, est, on vivait quand même très en vase clos. Alors, euh, on avait la chance d'habiter dans une résidence avec un immense parc. Alors, le parc, on, on jouait beaucoup dans ce parc, on avait beaucoup d'amis. Mais quand même, tout se passait dans les appartements et les maisons. Il fallait beaucoup d'imagination. Il fallait vraiment euh, pulser son imaginaire parce qu'il n'y avait pas beaucoup de distractions. La seule distraction était la nature. Et moi, je me souviens avoir joué dans les ruines romaines de Tipaza, même d'avoir euh, honte à moi, euh, volé un bout de ruine euh, qui est vraiment. Euh, D'ailleurs, je ne sais même pas où elle est maintenant, dommage, parce que euh, qui était vraiment euh, une infraction, même un crime. Euh, mais c'était ça mes jeux, c'était jouer avec euh, l'histoire passée euh, dans les ruines, dans ces, des vieux bains creusés dans la terre, les colonnes. Euh, donc je m'ennuyais un peu quand même. C'était. Et donc, je pense que le dessin et l'écriture ont été très vite euh, m'ont donné le sentiment, tout d'un coup, de casser les murs. Euh, m'ont donné le sentiment de force. Je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi de grande liberté. cest que quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit ah là, il y a quelque chose tout d'un coup qui m'excite beaucoup, euh, euh, même physiquement, qui me qui fait mon corps trembler, qui où je me sens euh, plutôt tout d'un coup très vivante et au-delà des quatre murs. Euh, qui m'enferme et qui m'étouffe un peu. Et je crois que ce pays a créé beaucoup aussi euh, euh, certainement ce désir-là euh, de s'exprimer, parce qu'on s'exprimait beaucoup chez moi, parce que certes issu d'un couple mixte, mais d'un couple qui avait d'intellectuels, les années 70, où il y avait beaucoup de fêtes à la maison et beaucoup d'autres intellectuels qui venaient. Et on parlait beaucoup, je les écoutais, ces adultes euh, qui parlaient beaucoup de politique, euh, qui parlaient beaucoup aussi euh, de montée de, de l'islamisme, euh, et euh, qui avaient peur, qui parlaient des guerres, qui parlaient de l'économie. Euh, donc tout ça, je l'ai beaucoup absorbé. Euh, la parole était très libre, mais en dehors de ces murs-là, la parole était muselée. La parole était muselée en Algérie. Il fallait faire assez attention. Euh, la liberté d'expression n'existait pas trop. Donc euh, de cette frustration et certainement euh, naît ma volonté d'être libre et de pouvoir euh, tout écrire et tout dire. Et je crois aussi euh, raconter euh, celle que j'étais moi, qui a été si secrète pour ma famille pendant très longtemps. Je pense que mes livres ont livré peut-être quelques informations sur mon compte que je n'osais pas dire plus jeune. L'expression muselée, ça entraîne aussi votre père. Il enfin, y, y, y a quelques mystères. Par exemple, un jour, il vous dit que il doit déchirer tout ce qu'il écrit et que euh, vous le comprenez sûrement puisque, puisque vous écrivez. Donc, il était attentif à votre création. Vous, au contraire, vous avez tout archivé, je crois, puisque la preuve avec le désir d'un roman sans fin qui, qui, je crois, va donner lieu peut-être à d'autres livres de cet ordre dans lesquels vous archivez les choses. Est-ce que pour écrire Grand Seigneur, vous êtes allé chercher dans des carnets anciens, des journaux intimes Comment vous avez travaillé À partir de quelles sources En fait, euh, Grand Seigneur, alors... En fait, j'ai commencé vraiment à trouver sa voie euh, six mois, voire neuf mois après la mort de mon père. Au début, j'ai essayé. C'était tellement compliqué pour moi et tellement douloureux de revivre. Et puis tout d'un coup, j'ai su et tout d'un coup, j'ai repris la main de mon père. Et c'est ça la magie de la littérature. C'est-à-dire que ce livre, quand je l'ai écrit, mon père était à nouveau là. J'étais à nouveau dans cette chambre 119. Je pouvais peut-être même... Euh, dévier euh, la, trajectoire, euh, la trajectoire du destin, mais je me suis aidée aussi, quand même, euh, avec mon journal intime que je tiens depuis quelques années, maintenant qui compte au moins 700 pages. J'attends qu'il ait plusieurs milliers de pages parce qu'on a, quand même, avec mon éditrice, euh, la volonté de le publier parce que c'est un journal littéraire. c'est pas un simple journal intime. Euh, c'est vraiment, là aussi, ce sont des archives d'écrivains. C'est un peu les coulisses euh, de l'écriture, comment on écrit un livre comment, euh, qu'est-ce qui se passe à la publication d'un livre, mais aussi comment est notre pays, la France, comment va mon pays, l'Algérie, comment va ma famille, comment va mon amour, comment vont mes amours, comment est l'état du monde. Et donc c'est un journal que j'essaie de tenir euh, tous les jours, à raison de deux à trois pages par jour. Depuis quand euh, En fait, ça a commencé avec le confinement. Tout, tout bêtement parce que je me souviens l'Obs m'avait demandé un journal du confinement exercice extrêmement périlleux. nous savons que certains ici sont un peu cassés les dents et moi j'avais très peur et j'ai dit non moi je, je veux pas puis euh, chanter que en plus tout le monde était euh, tellement avide de de lire ce que chacun vivait dans son appartement à Paris Alors, en tous les cas en tous les cas pour moi à paris donc sans je, voilà sans horizon de nature et puis en fait euh, il s'est avéré que, d'ailleurs, ce journal du confinement, pour l'Obs, est dans le désir d'un roman sans fin. Et il s'est avéré que c'était plus des réflexions, plus qu'un journal, en fait. Enfin, c'était. Aujourd'hui, quand je le relis, je me dis que c'est intéressant de se dire qu'on a eu un président qui nous a dit nous sommes en guerre. C'est intéressant de se dire que on signait des attestations pour sortir une heure. C'est intéressant de se dire qu'on voulait des masques mais il y en avait pas. Qu'on jetait. Moi, je me souviens, je jetais les chaussures, les cartons sur le palier. Enfin, tout ça, on était quand même dans une parano hallucinante. Et en fait, dans ce journal, c'est vrai que quand mon père est mort, pendant une semaine, je n'arrivais pas du tout à écrire, puisqu'en effet, l'écriture est tellement liée au désir. Mais j'ai vite repris mon journal pour noter certaines choses, mais pas dans le but euh, de me dire je vais écrire un récit sur la mort de mon père, mais il fallait fixer, puisque ce journal fixe tout ce qui est important euh, dans la vie et en l'occurrence aussi euh, dans la mienne. Donc dans Grand Seigneur, j'ai consulté à nouveau ce journal, mais pour des repères euh, temporels. Et puis après, ça faisait pas très longtemps en fait que mon père était mort, et comme j'ai une très grande mémoire et une mémoire photographique, et puis ça a été tellement. Euh, en fait, c'est marrant. L'écriture m'a permis de sortir de l'hypnose de Jeanne Garnier. C'est-à-dire que à Jeanne Garnier, vous êtes sous hypnose. Vous devenez addict de ce lieu. Vous devenez addict de son odeur, de ses soignants, de son personnel, euh, de sa son architecture, euh, et même de ses patients que vous croisez. Et Puis parfois un jour, vous les croisez et finalement vous les croisez, euh, mais ils sont entourés de voilà de euh, ça, je ne savais pas aussi que la police vient en fait quand il y, y a un décès, qu'il faut constater. Enfin, moi, j'ai vu, euh, comme je regardais tout, mais pas par euh, curiosité ni, mais je me sentais tellement euh, entre ces murs, l'une des leurs, euh, que voilà, j'ai vu, j'ai vu, vu, beaucoup de morts en un jour, mais je trouvais ça, en fait, cette aventure, elle, elle m'a appris aussi. Euh, à accepter la mort, ne plus en avoir peur et à se dire qu'elle s'inscrit dans la vie et que la vie existe aussi en, non en contrefort mais en miroir et que les deux cohabitent et que finalement les morts, on peut écrire sur la mort, on peut écrire sur des soins palliatifs, on peut écrire sur quelqu'un qui est en train de mourir, il y a cessons de cacher nos morts, cessons de cacher la maladie, cessons de cacher la vulnérabilité, parce que je trouve... Une société qui se veut et qui se croit immortelle est une société qui ne peut pas euh, euh, évoluer. Moi, je sais que parfois, je peux entendre Ah non, je ne veux pas lire ce livre. Je dis, mais ce n'est pas un livre funeste. C'est un livre qui est un livre d'espérance et c'est un livre euh, lumineux. Et puis pourquoi on, on s'interdirait de, de lire la mort Je comprends le chagrin, la douleur que, ça, que cela peut réactiver, mais je crois que nous vivants avons le devoir de porter nos morts. Et vous le dites aussi, que, que, et c'est ce qu'on ressent vraiment, c'est ce qui fait de ce de, de grand seigneur une expérience aussi à, à lire. Euh, c'est la vie s'éprouve de façon plus intense dans ce lieu, dans cette chambre. Je vous cite Je ressens cependant la puissance de la vie qui menaçait, en sursis, ce débat, se déploie davantage qu'à l'extérieur, où les hommes, les femmes ne savent pas leur chance de courir, marcher, faire du vélo, héler un taxi, monter dans un bus, s'engouffrer dans une bouche de métro, se rendre au travail au restaurant rentrer chez soi moi non plus je ne savais pas cette chance qui est en fait une habitude une mécanique et il y a vraiment effectivement enfin, c'est quelque chose qu'on ressent très fort à la lecture de ce livre et qui s'éprouve comme une expérience oui et moi ça a été euh, la grande expérience de ma vie et aussi cela m'a euh, remis les idées bien en place telle une gifle euh, et d'en fait me dire oui moi je suis comme tout ces hommes, ces femmes, et heureusement que la vie aussi est plus forte, on ne peut pas porter son fardeau, ce serait insupportable pour soi et surtout pour les autres, ce serait impoli. Mais c'est vrai que le grand tourbillon de la vie, parfois, lorsqu'on s'en extrait et qu'on accompagne quelqu'un, tout d'un coup, fait réaliser cette chose précieuse et immense d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir ce qu'on aime autour de soi et de voilà, et de pouvoir toujours écrire des livres. <laughs> on, on l'a compris, votre, le, votre livre parle vraiment de, de, à la fois de l'accompagnement des derniers jours de votre père, mais aussi, de, en fait, de votre relation, de ce qui vraiment euh, jalonne la, la, la grande histoire de votre, de votre amour avec votre père. et euh, il y a, en fait, votre vie d'autrice. la trajectoire d'écriture de votre trajectoire d'écriture est très liée, inextricablement liée à, à, à votre relation avec votre père. il y a une scène très forte qui est celle de votre premier, première parution, de l'annonce de votre première parution, est-ce que vous pouvez nous raconter ça, c'est très euh, votre père, la, le soutien indéfectible de votre père est très important Oui mais c'était franchement très beau et je vous dis euh, justement la vie vous joue des tours et parfois de jolis tours euh, c'était comme un, un rééquilibrage des, des, des choses en fait moi j'ai terminé euh, La Voyeuse Interdite j'avais commencé à 19 ans j'avais fait un peu de droit, après j'ai laissé tomber. J'ai fait un peu de philo à l'Institut catholique de Paris, mais ma, ma, mes grandes, en fait, mes, mes grandes obsessions à l'époque, c'était écrire, euh, occuper mon désir, connaître la vie, et pour moi la vie se déroulait la nuit euh, dans des club de femmes où je regardais beaucoup parce que j'étais souvent la plus jeune, j'avais 18 ans et, et en fait est née de cette vie noctambule le lendemain je, je retrouvais mes amis étudiants et je me disais mais j'apprends tellement plus vite que en fait sur la vie les passions, l'amour, la violence parfois aussi et la différence parce que je me souviens, moi j'ai côtoyé des femmes qui étaient beaucoup plus âgées que moi parfois même qui avaient 85 ans j'en avais 18 et j'étais un peu sous la protection des loups lapérins qui était une grande figure de la nuit, gay, parisienne. Euh, et donc dans ce milieu-là, j'écrivais La Voyeuse Interdite, qui n'a rien à voir avec le sujet, mais finalement, qui avait capté quand même des enfermements, des solitudes et des violences. Et de façon parallèle, euh, je termine ce livre en 90. Et en 90, en fait, l'Algérie sombre dans ce qu'on a nommé la décennie noire. Puisque ça va durer pendant dix ans, une guerre entre, entre frères, sanguinaire, épouvantable, euh, d'une cruauté absolue. Et à l'époque, en fait, mon père euh, travaille dans les Émirats et un pays en guerre, en fait, tout d'un coup, ils ont rappelé leurs ressortissants. Euh, mon père est rentré, il a attendu qu'on le renomme ailleurs, c'était un peu compliqué. Bon, il se rendait en Algérie, il a fait quelques missions comme il disait et puis en fait, il a attendu un coup de fil providentiel qui n'est jamais arrivé mais on a attendu tous les deux un autre appel téléphonique, c'est que quand j'ai terminé la voix interdite, nous avons avec ma mère, c'est une histoire de famille quand j'étais plus jeune, envoyé les enveloppes à différents éditeurs et en fait mon père était avec moi quand les éditions Gallimard m'ont appelé, là, une première fois. Au bout de trois, enfin, au bout de trois jours, j'ai reçu un petit mot. Au bout d'une semaine, un premier appel. Et les éditions de Gallimard ont cette chose épouvantable qui s'appelle un comité de lecture ils sont plusieurs à décider de votre destin. et C'est-à-dire que c'était tout le contraire de Jean-Marc Roberts, avec qui j'ai travaillé très longtemps, ou de Véronique Cardi, Anne-Sophie Stefanini, qui sont mes nouvelles éditrices. C'est-à-dire qu'il y a un comité, ils sont plusieurs, et c'est un, un vote. Et donc ça durait trois semaines. C'est-à-dire que la personne avec qui j'étais en lien à l'époque me disait, voilà, Nina, vous avez tant de voix, mais on vous rappelle dans une semaine, à 15h pile, ça durait... Pendant trois semaines, et mon père était là à chaque fois. Et on attendait. Euh... Puis mon père était assez nerveux. Soit il me dit il t'appelle pas, il t'appelle pas, ma fille, il t'appelle pas, c'est pas bon. Euh... Genre, c'était de ma faute en plus. Non. Et à chaque fois, l'appel, c'est bon, alors voilà, voilà, vous avez tant de personnes, mais il y a encore une réunion. Je dis, mon cas est quand même compliqué. Et nous avons, vers la fin, euh, voilà, eu la grande, euh, voilà, la grande joie. Je suis allée signer mon contrat chez Gallimard. Et c'était Pascal Quignard, mon éditeur de l'époque. J'étais très jeune, en plus à 23 ans, j'étais un vrai bébé. Et je me souviens, euh, à chaque fois, je, je sautais dans les bras de mon père qui était sur un fauteuil. Après, il s'en est débarrassé, tant mieux. Je me souviens, un fauteuil vert sur lequel il a tant fumé. Et lui attendait son, son appel euh, de son pays. Mais ils l'ont un peu oublié. Ils l'ont un peu abandonné. Mais l'aventure de mon premier roman a été telle parce que ça a été un succès très rapide. Euh, je me souviens très vite, j'étais invitée par Bernard Pivot. Comme j'avais 23 ans, je disais des trucs totalement improbables, euh, Oui, euh, des choses très fortes. Je parlais d'hôpital psychiatrique, je parlais euh, de sexe géant, j'avais un truc très. J'avais peur de rien. Et Pivot était assez sidéré. Et je me souviens que tout d'un coup, ça a fait un petit. Euh, tout d'un coup, la rumeur a enflé. Et j'ai eu la chance d'avoir le prix du livre inter pour un premier livre, en plus qui n'avait pas été corrigé. C'est-à-dire qu'Ignar avait dit on le prend tel quel. Quand je le relis, parfois j'ai espèce de frayeur, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de points d'exclamation, beaucoup d'adverbes. Mais tant mieux, c'est la tendresse d'un premier livre. Je l'avais commencé à 19 ans, j'étais vraiment très très jeune, euh, et qui a ouvert la porte après, euh, jusqu'au 20e livre, là. Voilà, qui a ouvert le, le chemin. Et c'est vrai que mon père m'a accompagné, et lui, c'était aussi... Euh, et je me dis c'est bizarre parce que voilà ces livres-là qui alors ces textes-là il les aura lus dans le désir d'un roman sans fin mais grand seigneur qui lui est... qui lui est dédié euh, il ne le lira pas mais mon père avait aussi cette manie de faire euh, les librairies de son quartier ou les grandes enseignes et reconstruisait les piles de mes livres. C'est que si j'étais pas, euh, si j'étais mal placée ou qui refaisait. Mais le problème, c'est que je ressemble beaucoup à mon père. Et enfin, et donc je vous dis, il est sur les caméras de surveillance, cet tort, avec ses yeux, son nez, c'est tellement moi en homme qu'on était, je pense, un peu, un peu grillé. Un peu grillé. <laughs> un peu grillé. Vous, on va faire passer euh, doucement le, le micro, mais j'ai une. Petite dernière question. Bon, déjà, effectivement, cette scène est vraiment euh, très belle. J'aurais eu énormément de questions sur toute la trajectoire de votre écriture qui a suivi. Mais euh, je trouve que cette scène cristallise beaucoup de choses de votre rapport à l'écriture et à votre père. Vous dites, dès, donc en parlant de ces coups de fil que vous attendiez tous les vendredis, dès que je raccrochais, je sautais à son cou, nous avions gagné. Je dis nous parce que je voulais sauver mon père de son chagrin et je le sauverai. Oui, parce que je suis persuadée que, le, que les maladies font leur lit dans les, les très grandes déceptions. Et mon père était déçu, il était triste, il était mélancolique, mais comme à Jeanne Garnier, il a fait preuve d'un courage et d'une dignité hallucinante parce qu'il ne nous, il nous en a jamais parlé. Après, il s'est consacré à sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, son arrière-petit-fils. Il a eu la chance aussi d'être arrière-grand-père. Mais de cela, alors il en parlait parfois quand on faisait un peu la fête qu'il y avait un peu de champagne, un peu de vin, il racontait ce qu'il avait fait, mais avec beaucoup aussi d'énigmes. Hein, et de je ne peux pas tout dire, j'ai beaucoup joué. Beaucoup... Mais c'était bien parce qu'il a construit sa légende. Euh, légende que je n'ai pas dévoilée hein, finalement dans Grand Seigneur, pas, pas, tant, pas tant que ça. Euh, mais oui, je crois qu'il a eu. Euh, voilà, il a eu ses secrets, lui aussi, euh, mais ses secrets, parfois... Euh, voilà, je pense que ça a été très difficile pour lui. C'est un homme qui aimait beaucoup son pays, qui l'a beaucoup servi, avec beaucoup de, de courage, de force. Euh, il a beaucoup travaillé. Et parfois, on aime un pays comme on aime une femme. Et une éthique aussi qui, qui en fait, l'a aussi mis de côté à, à certains moments. Oui, je comprend. pense que ce n'était pas un joueur, ce n'était pas un politicien, c'était quelqu'un d'extrêmement de, euh, honnête. Parfois, voilà, tant mieux euh, d'ailleurs, et de loyal. Euh, mais parfois, la loyauté a aussi un prix. Une, une toute dernière question avant, avant d'entendre le public. Euh, votre, vous portez son nom, donc Bouraoui, qui veut dire conteur. Vous l'avez appris, vous l'écrivez vous dans le livre assez tardivement. Et vous lui promettez à la fin du livre d'honorer son nom, de continuer à écrire. Simplement, est-ce qu'aujourd'hui, qu'il n'est plus là, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre écriture Je ne crois pas. Euh, dans Grand Seigneur, tout ce qui est écrit est vrai. Et c'est vrai qu'un jour, je me suis mis à ses côtés. Et je lui ai dit ce que j'avais envie de lui dire. Je savais qu'il m'entendait parce que je crois qu'on entend quand même même si on n'arrive plus à parler. Et c'était important pour moi déjà de lui, de lui accorder mon pardon. C'était important pour moi de lui dire merci, même si son éducation parfois était un peu sévère. Mais c'est vrai qu'elle m'a ouvert aussi beaucoup de chemins et m'a permis... C'est de tenter de bien me tenir en société. Et je lui ai promis aussi, euh, oui, de continuer à honorer son nom euh, en écrivant toujours et encore plus. Alors peut-être, oui, euh, ça a changé, peut-être dans le sens euh, où j'ai. Euh, moi, c'est très bizarre. Euh, euh, je crois que Marguerite Duras le dit très bien dans un livre qui s'appelle Écrire, c'est-à-dire que quand on, on écrit un livre, quand on l'a terminé, quand il publie, euh, c'est vrai qu'il ne vous appartient plus parce qu'on ne se souvient plus du tout dans quel désarroi on a pu l'écrire ou dans quel bonheur ou dans quelle folie. Il y a quelque chose comme ça qui s'efface, qui s'arrache à vous. Qui fait que la vie d'un écrivain, parfois, elle est. Euh, moi, parfois, je me dis, j'ai rien écrit. Et c'est vrai qu'aussi, j'ai voulu euh, rassembler tous ces textes, euh, même pour moi, pour me prouver que j'avais quand même pas mal écrit. Que non, c'est pas vrai, que j'avais pas euh, rien fait. Avec la mort de mon père, j'ai la conscience euh, de l'urgence des textes, de l'urgence d'écrire, de l'urgence d'écrire. Euh, euh, encore plus, non pas euh, je suis ni migalo, ni égocentrique, ni quoi que ce soit, pour laisser quelque chose, pas du tout, mais en tous les cas pour euh, restituer euh, une part du monde à un instant T et partager peut-être, euh, sans le savoir, euh, une heure ou deux euh, avec euh, un lecteur euh, qui aura soudain peut-être une petite veilleuse ou une petite lanterne bourraoui, tel Aladdin. <laughs> Merci Nina Bouraoui. Est-ce que vous avez des questions Est-ce que le micro commence déjà à, à tourner je, je, on, on est un peu dans le noir, alors je vois pas bien. Ah voilà, il y a une main qui se lève. Bonjour. Nina, dans votre livre, vous parlez de Georges que vous voyez aux au soins. Et vous vous reconnaissez dans une douleur. Est-ce que c'est quelque chose maintenant dans la vie que vous reconnaissez Est-ce que, par exemple, vous reconnaissez quelqu'un, sans se parler, qui traverse une même douleur que vous, la perte d'un père ah, mar... Alors, sans se parler, euh, je, je ne sais pas. Mais c'est vrai que quand je suis euh, euh, dans la ville, parce que je marche beaucoup, j'adore marcher. Euh, Aujourd'hui, c'était bizarre parce que quand je sortais de Jeanne Garnier, j'avais une impudeur, c'est que je, je pleurais dans la rue. Je me disais, mais t'es nulle tes larmes, tu n'as pas le droit de les partager. Et en fait, je me disais, euh, j'ai envie de les montrer, j'ai envie de les exposer, j'ai envie que tout le monde sache que, pas que je souffre, mais que mon père est en train de mourir. Et souvent, aujourd'hui, je me dis, dans la foule, je me dis, mais certainement, là, à côté de moi, cet homme, cette femme, peut-être cet enfant, de, euh, est traversé par ça. Je ne sais pas si je les reconnais, mais en tous les cas, j'entends euh, leurs mots quand... Euh, quand les endeuillés, les inconsolables, comme je les nomme, euh, viennent me voir, comme euh, bah, dans des voilà dans des festivals, dans des rencontres, euh, dans des signatures, et je trouve que nous avons, euh, nous portons un drapeau commun. Alors je dis pas que c'est le drapeau du deuil et de le, la force euh, euh, noire et funeste. Et non, je trouve que nous sommes changés. Nous sommes euh, Augmenter peut-être d'une sensibilité ou d'une intelligence ou d'une maturité, mais il y a euh, un supplément de douceur, je trouve. Enfin, moi, je, me trouve, je trouve que je pas en colère, je n'avais plus de colère, mais j'ai augmenté en douceur. C'est comme une sorte de, de communauté que vous créez en fait avec ce livre de, de, pour les personnes qui ont perdu un père ou, un, ou un, une personne proche. Mais comme je le disais, je trouve que ça permet aussi de s'y préparer vraiment euh, quand on n'a pas encore vécu. C'est très important de s'y préparer. Est-ce qu'il y a d'autres questions Vous pouvez lever la main si vous avez d'autres questions. On, a, on peut encore prendre une question ou deux. N'hésitez pas. Non <rire> <rire> Il y a une timidité. C'est pas, pas grave. Je vais te de poser des questions. Euh, merci Nina Bouraoui. Grand Seigneur et le désir d'un roman sans fin. Euh, vraiment, enfin, ces deux livres, je conseille de les lire. Alors, moi, j'ai d'abord commencé par Grand Seigneur et j'ai lu Le désir d'un roman sans fin ensuite. Et je trouve qu il s'apporte il beaucoup et on, on vous lit mieux ensuite, on vous comprend mieux ensuite. Je ne sais pas si justement on a peut-être. Le temps de, de. Je voulais vous demander si, si vous aviez senti, euh, en, en lisant le désir d'un roman sans fin, comme des clés pour vous-même mieux comprendre. Euh, votre œuvre et, euh, et notamment... Oui, il ce il livre est drôle parce qu'il euh, répond parfois à certaines énigmes et surtout, euh, je vois l'évolution euh, des années 90 à aujourd'hui. Je vois qu'au début, je ne m'assume pas du tout, qu'il y a parfois des personnages féminins qui sont transformés en hommes. Je vois parfois des choses un peu de brouillard. Je vois une écriture parfois très, très saccadée. Je parlais de la colère et je vois un apaisement. Euh, donc en tant qu'archive, c'est bien. Et puis aussi, euh, en tant que euh, répertoire des obsessions, je vois que je suis quelqu'un d'hyper obsessionnel et que les obsessions sont toujours les mêmes et les pays sont toujours les mêmes. Les... Mais après, on voit que j'ai aussi vieilli, tant mieux, une forme de maturité où tout d'un coup, euh, les idées sont plus claires aussi le rapport au lieu, il y, a, il y a vraiment effectivement des choses très fortes qui euh, qui traversent en fait le rapport au lieu, au désir, à l'amour, à la vie. Vraiment, c'est euh, extrêmement, enfin, on le ressent de façon très intense en lisant ce livre-là. Et puis vos doutes d'écrivaine aussi, qui sont euh, très intéressants. Oui, rongés par le doute toujours, mais euh, qui, si l'on doute pas, on n'avance pas. Enfin, moi je euh, puis, plus que du doute aussi, il y a du doute et puis aussi de la peur, la peur de ne plus rien avoir à dire, et puis la peur de ne plus savoir écrire. Euh, mais il arrive un, un temps à chaque fois, euh, je pense pour chaque écrivain, en tous les cas pour moi, euh, un laps de temps assez court où je ne sais plus écrire. Euh, Peut-être aussi, vous savez, parfois on plonge dans une piscine et étourdi, on ne sait plus nager. Il euh, sage, l'expérimente. Euh, et puis, et après, puis vous l'annoncez, vous le dites à votre éditeur. Il y, a, ouais. il y a une lettre où vous écrivez à votre ouais. éditeur je ne je ne veux plus écrire, je, je veux être libre. Oui, vrai. Il y a toujours cette tentation, mais en fait l'écriture est tellement euh, en fait l'écriture est tellement la vie. Renoncer à écrire, ce serait renoncer à vivre. On va terminer par cette phrase. Merci Nina pour Merci beaucoup. Merci à vous.